Déplacement. Amendement numéro 2. Vraiment, moi, je trouve ça très important et très dommageable que ce ne soit pas résolu, c'est le développement du vélo pour tous. Hein, on a la création des pistes cyclables supplémentaires, ce que vous avez fait dans l'urgence, dont une, effectivement, sur les quais est très discutée et méritera de l'être dans la concertation. Mais il y a une offre qui n'existe pas pour tous les utilisateurs potentiels du vélo, parce que là, finalement, on reste dans le système ancien où, grosso modo, c'est surtout le domicile-travail, c'est-à-dire ceux qui prennent en permanence le vélo qui sont favorisés. Mais par contre, les utilisateurs occasionnels ne peuvent pas en bénéficier. Il y avait eu une tentative en fin de mandat, puisque la société privée Indigo avait mis en place un vélo de libre-service, mais le niveau de délinquance, vous le savez, est tel que les 600 vélos ont disparu en 3 mois. Je note au passage combien ces questions de sécurité et de délinquance ont de l'importance sur tous les aspects. Donc, par cet amendement, je demande le conseil municipal de Grenoble, qui regrette les retards qui ont été pris dans ce domaine du développement de l'utilisation du vélo par tous, mandate ses membres qui siègent dans les structures métropolitaines afin qu'ils demandent au plus tôt que notre ville dispose, comme la plupart des grandes villes, d'un service de libre-service, de vélo, de trottinette, afin que ces moyens de déplacement soient à la disposition de tous les publics. Je rappelle que dans la journée, on peut être successivement utilisateur des transports en commun, utilisateur de la marche à pied, utilisateur du vélo, utilisateur de la voiture quand c'est indispensable pour des raisons familiales ou de travail, et qu'il faut donc que ces moyens différents soient utilisables par tous les groupes. Donc on vote sur le sous-amendement là, à l'instant. Oui. Alors, oui. Donc, il s'agit des engins de déplacement personnel, et donc sur lesquels je plaide depuis longtemps. C'est un service public dont Grenoble ne bénéficie pas. C'est une des rares villes à ne pas en bénéficier. On aurait dû le mettre en place au moment du déconfinement parce que ça aurait vraiment contribué à l'alternative à la voiture très sérieusement. Vous ne l'avez pas fait. Monsieur Mongaburu donc nous propose, si j'ai bien noté, à la va-vite, qu'on offre une offre de service public d'un EDP s'effectue dans les meilleurs délais. Alors bien sûr, je vais voter cet amendement puisque il va dans le sens de ce que je propose, mais je souligne que c'est l'habillage d'un retard dont vous êtes responsable. Voilà.